C'est génial, je suis trop content. On part à l'aventure? Tu as tout? Et toi, Gayatri? Oui. C'est quoi ce panier? Ben, c'est un petit casse-croûte, ça se voit, non? C'est petit, on sera en fin d'après-midi. Hey, c'est la jungle là-bas. Imagine qu'on reste coincé quelque part. On serait obligé de chasser pour se nourrir. Et il y a des animaux féroces dans la jungle qui pourraient nous chasser comme un gibier pour se nourrir. Mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce que tu cherches? T'as vu Arjun? Il essaie de me faire peur. T'as peur de ton ombre? Mais n'importe quoi. Ça suffit, les garçons. Cherchez la voiture. Oui, allez, en route. Tu m'as appelé? Je voudrais que tu m'expliques. Tu sais que soigner a le vertige. Pourquoi tu veux aller en montagne alors? Ben, je sais pas, y a rien à expliquer. J'ai proposé qu'on parte tous ensemble en excursion. Mais soigner, si ça t'embête, je peux tout annuler. Aucun problème. Mmh. Allez, s'il te plaît. Allez, soigner. Viens avec nous et n'aie pas peur. Allez. Mais si je vous accompagnais, je risquerais d'être malade ou même de m'évanouir. Oh. La journée serait gâchée pour tout le monde. Ça ne fait rien. On peut très bien aller ailleurs si tu veux. Ne changez pas vos projets. Non, merci. Et de toute façon, vous serez rentrés en début de soirée, donc... D'accord, d'accord. Je préfère rester ici. Allez, s'il te plaît. Arrêtez. Si elle ne veut pas venir, laissez-la tranquille, elle a le droit. Choubella, il lui tiendra compagnie, non? C'est pas très gentil. Oh. Mais ne vous privez pas de cette randonnée. Ouais. Et toi, Arjun? Que ce soit la dernière fois que tu organises quelque chose, sans avoir eu le consentement de tout le monde. Ok, mon frère. Bonjour. Eh bien, Tiluram, que se passe-t-il? Quel est cet événement qui te rend fou de joie? Tu as raison, Yashoda. Tu as devant toi un homme plein d'espérance. C'est vrai? Répondez-moi donc, allez. Moi, je ne dis rien. Tu dois le demander à Tiluram, je t'en prie. Te voilà. Je t'appelle depuis un quart d'heure, mon amour. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé au temple aujourd'hui. Je n'en reviens toujours pas. Hein? Figure-toi qu'on a rencontré un jeune homme au temple. Il s'est tout de suite incliné devant Satya pour qu'il le bénisse. On était surpris et on ne savait pas qui c'était. Et puis on nous a appris que c'était le fils de Sitaram. Sitaram, qui est-ce? Oui, Sitaram, chérie. Le tailleur. Il avait sa boutique juste à côté de la nôtre, souviens-toi? Ah, Sitaram, oui, je me souviens. Eh bien... Il a travaillé dur et économisé sou après sou pour pouvoir envoyer son fils à l'université. Le jeune homme est devenu un brillant ingénieur et il a un emploi au PWD. Hey. C'est vrai? Il est venu prier au temple aujourd'hui. Il m'a fait une très bonne impression, ce garçon. Jenny? Si tu l'avais rencontré, tu serais aussi emballé qu'on l'est. Je crois qu'on vient de trouver l'époux idéal. L'homme qui rendra heureuse notre petite Gayatri. Mmh.
Je pense que Gayatri connaîtra avec lui le bonheur total. C'est bien mon avis à moi aussi. C'est un garçon bien élevé, qui a fait des études, qui travaille. Tiluram, c'est une excellente nouvelle. Je suis content pour toi. Si ce garçon est aussi bien que tu le prétends, Gayatri va vraiment avoir la belle vie avec lui. Attends un peu, comment tu as dit que son père s'appelle? Sitaram. Sitaram. Sitaram, oui. Il est dans quel coin? Il est dans une maison? Il possède une maison modeste en Kaboul. Il investit son argent dans les études pour assurer l'avenir de son fils. Son fils, c'est toute sa fortune, hein? Satyanarayan, pourquoi tu les invites pas à dîner à la maison? Ça nous permettra de rencontrer ce jeune homme formidable et sa famille, et de les présenter à Gayatri. Hein, Ginny? Oui. Pourquoi pas? Ma fille est aussi la vôtre. On l'adore. Je savais que tu dirais ça. Alors je les ai déjà invités. En fait, je crois que tu as des vêtements pour le pressing. Je vais les prendre. Le coursier va arriver. Oh, j'avais complètement oublié. Ginny, j'y cours. Chandar, tu es un génie. Les nuages noirs ont commencé à s'accumuler au-dessus de nos têtes. La tempête s'abattra bientôt sur cette paisible demeure. Les mobiles ne passent pas, je tombe sur les répondeurs. Ils devraient être rentrés maintenant. C'est un véritable déluge, n'y crois pas. Pourvu que tout aille bien pour eux. Ils vont bien, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Continue à téléphoner. Non, il ne manquait plus que ça. Je vais aller voir si je trouve des bougies. Tu vois? Je n'invente rien. Tu as entendu ce qu'ils disent les Trépathis? Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que je vais accepter de marier ma fille à un misérable fils sans un sou devant? Pour qui ils se prennent? Ils croient peut-être que je vais leur regarder briser la vie de ma fille les bras croisés sans réagir? Que nenni. Moi vivante, c'est hors de question, tu comprends? Ces gens prétendent aimer Gayatri comme leur fille. Et aujourd'hui? Aujourd'hui encore, ils ont prouvé le contraire. Moi, je n'aurais jamais imaginé que mon frère réagisse comme ça. Si tu veux, je peux aller lui en toucher un mot? Ça, non. Manorama, à partir de maintenant, je ne leur demanderai plus rien. Toute ma vie, j'ai dû réclamer pour une chose ou pour une autre. Toute ma vie, j'ai travaillé ici dans cette maison à m'épuiser comme servante, Manorama. Pas Gayatri. Je refuse que ma fille soit au service des autres. Elle mérite beaucoup mieux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je considère Gayatri comme ma fille. Moi aussi, je me battrai. Je vais aller de ce pas parler à mon frère. Parce que je trouve pas que... Pas question. Je t'interdis d'en parler à qui que ce soit. Ma décision est prise. Il est grand temps que je cesse de me bercer d'illusions. Grand temps. Je suis chinée toute ma vie servant dans cette maison, Manorama. Il est hors de question que Gayatri subisse le même sort. J'en fais le serment devant Dieu.
Je marierai ma fille à un jeune homme dont la famille sera encore plus riche que la famille Pretty.